La scientologie perpétue une tradition de sagesse qui se préoccupe de l'âme et de la solution au mystère de la vie. Et c'est de ça qu'elle se préoccupe. Elle n'a vraiment pas dévié. La seule raison pour laquelle je viendrais soudain faire quelque chose comme ça dans une culture occidentale, elle est très simple. J'ai étudié, durant mes toutes premières années, la première chose à laquelle j'ai été exposé dans cette vie a été une dure et rude société de pionniers, le Montana. Et il n'y avait rien de plus dur que le Montana, aussi bien en termes de climat qu'en termes de gens. Et de là, je suis allé dans le monde plein de douceur de l'Extrême-Orient. J'ai poussé un long soupir de soulagement et j'ai découvert ce que cela signifiait de faire partie d'une civilisation. Et le choc fut si grand pour moi que j'ai été très profondément impressionné. Et donc, bien que je fusse un jeune Américain, j'ai été attentif. J'ai eu beaucoup d'amis dans les collines occidentales de la Chine, des amis ailleurs, des amis en Inde. J'étais disposé à écouter. J'étais également disposé à être très suspicieux et j'étais disposé à être très méfiant. Mais je n'étais jamais disposé à me détourner complètement du fait qu'il y a une solution possible à l'énigme de l'origine de l'homme. Eh bien, tout travail que je fais, ou que j'ai fait, et que vous faites, a un héritage extrêmement ancien et intéressant. Vous étudiez et vous travaillez avec les plus anciens facteurs de civilisation connus par l'homme. Tout le reste date de la dernière pluie. Pour ce qui est de la scientologie en tant que religion, elle a plus de droits à être une religion que l'Église catholique. Et pourrait se dresser et être reconnue comme telle devant un tribunal de justice. Quiconque oserait essayer de réduire une religion à une simple pratique religieuse négligerait l'héritage même du christianisme. La sagesse n'est pas une grande tradition du monde occidental. Mais si nous sommes très travailleurs, ce sera à nous d'en faire une.